dit. Une femme que l'on voit peu dans les médias, c'est l'épouse du président de la République, Madame Danielle Mitterrand, qui nous a accordé l'une de ses rares interviews dans le magazine Au cœur de l'affaire, diffusé cet après-midi. Elle était venue parler de sa fondation en compagnie du violoniste Yehudi Menuhin, et ça a été l'occasion de lui demander ce qu'il avait marqué en 7 ans de présence à l'Élysée, Danielle Mitterrand. À l'Élysée, ça a été bon, une position, si je puis dire, privilégiée, puisque ça me permettait de rencontrer beaucoup de responsables, de pouvoir donc les convaincre quand j'avais moi-même quelque chose à prouver. Ça m'a permis de voyager beaucoup et de pouvoir me rendre compte de tous les sujets où nous devions nous engager, sur lesquels nous devions nous engager. Ça m'a aussi donné l'occasion de continuer à rencontrer de nombreux écrivains que depuis longtemps avec François, parce que je n'avais pas attendu 81 pour parcourir le monde. Avec bien lui. Sûr. Et vous savez, ça a été 80, le septennat, ça a été une continuité. Une continuité où on a peut-être eu plus de possibilités de se faire entendre et de se faire comprendre. Mais c'est une continuité. L'un des plus célèbres Français de l'année, le commandant